Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, faites-le maintenant. Vous ne savez pas ce que vous manquez. Venez nous rejoindre. On est une belle gang. Je vous remercie d'être de plus en plus nombreux et fidèles de cette belle bande de joyeux lurons, appelons-nous comme ça, qui parlons cette belle langue de Molière et on veut comprendre ce qui se passe. On va finir par comprendre, peut-être avant la fin des temps. Chers amis, 18 février 2019, 17h43 heure du Québec, avec une petite nouvelle intéressante, mais vraiment mystérieuse. Je prends le temps de vous la partager parce que c'est d'abord révélateur de la grandeur de la vie, des mystères de la vie, et peut-être des signes qui nous sont envoyés, je ne sais pas, mais c'est vraiment tordu comme histoire. On va aller voir ça ensemble. C'est un bébé tortue albinos. Déjà, une tortue albinos, hein, c'est pas sûrement à tous les jours qu'on en voit, qui réussit à survivre même si son cœur bat à l'extérieur de son corps. Et cet état de choses est tellement rare qu'on n'a même pas réussi à donner un nom en médecine vétérinaire à cet état. On peut voir ici la petite mini-tortue albinos avec son cœur qui bat à l'extérieur de son corps. Vraiment, vraiment très, très étrange. Une petite tortue albinos née avec le cœur qui bat à l'extérieur de son corps a défié toutes les difficultés et semble prospérer malgré ses inconvénients. Le minuscule reptile, connu sous le nom d'Espoir, souffre d'une maladie si rare qu'il n'a pas encore été nommé en médecine vétérinaire. On appelle ectopia cordis une affection semblable chez l'homme qui touche environ une naissance sur 126, apparemment chez l'homme. Mais là, c'est une tortue. Imaginez, albinos. Déjà, les chances de tomber sur une tortue albinos sont plus que minimes. Et d'avoir cette anomalie, mais vraiment bizarre, du cœur de cette petite tortue qui bat à l'extérieur. Il y a une vidéo... Un lien vidéo que je vais vous laisser dans la boîte de description. Vous pourrez voir ça en live, ce qui arrive à cette petite tortue. Le propriétaire, Mike Aquilina, s'occupe du petit bébé albinos chez lui. Dans le New Jersey, il a reçu Hope de son ami Gérard, un éleveur de tortues américain. Alors, Espoir a eu un impact sur ma vie de tant de façons qu'il me rend réellement émotif, nous dit son propriétaire. Elle est si petite et si fragile, la chose la plus délicate. Mais elle n'a peur de rien. Les gens peuvent voir cela et elle a tellement de gens qui la soutiennent partout dans le monde. Elle répand de l'espoir tout en me donnant de l'espoir. L'espoir a changé ma vie pour le mieux et en si peu de temps. On peut voir encore cette petite tortue avec son petit cœur à l'extérieur qui bat. C'est vraiment une histoire des plus... Wow! Extraordinairement étonnante. Vraiment, on sera jour après jour surpris de ce qui nous attend dans ce grand monde mystérieux, ce grand voyage dans lequel on est, chers amis. Je vous laisse le lien de cette vidéo-là ici. Espoir, cette petite tortue albinos, imaginez-vous, avec un cœur qui bat à l'extérieur de son corps. Wow! C'est pas un signe, je sais pas, mais... Il y en a plusieurs de ces signes depuis quelques années, un an ou deux. Ce veau roux qui est né en Israël, vous vous rappelez? Ce petit veau aussi dont je vous ai parlé en Inde qui est né avec un œil. Et il y a plein d'autres signes comme ceux-là. On peut les interpréter comme on veut, hein? Mais c'est quand même des phénomènes très étrange.